Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Mieux que cet événement de karma, attendez, dans le feu de l'action directement. Escarmouche, attendez, je le prends par derrière, yalla. Voilà comment commencer un épisode en beauté, messieurs dames. J'espère que vous allez bien, 18ème épisode déjà de l'aventure sur Far Cry 4. Un grand plaisir comme tous les jours, comme tous les soirs, de vous retrouver pour ces nouveaux épisodes. Donc 18ème aujourd'hui, comme convenu, donne-moi de ton argent toi. Merci. Oui. Je te dois tellement plus que ça. Bah oui, oui, ça je te le ferai pas dire, madame, une petite pipe. Alors en tout cas, on va à 200 mètres, hein, comme convenu, on va aller voir Willis, découvrir Willis, on ne sait pas c'est qui, hein. Il nous a juste appelé par la radio dans le dernier épisode, il nous a dit « Hey, salut, je suis Willis et j'aimerais te rencontrer. » Voilà, globalement, c'est ce qu'il a dit, à peu près. Donc du coup, bah, comme on est un petit peu débile, bah, on va aller le rencontrer. Sachant qu'on a Longinus qui nous attend. Ah, il doit y avoir une grotte sous terre, là. J'adore explorer, vous le savez, ça, hein. Oui, vous le savez. Attends, ça te dérange si je te le dépece? Voilà. Ouais, je disais, Longinus nous attend. Yogi et Rigi, alors j'avoue, j'ai la flemme parce que on n'a pas le choix de faire ces missions. En plus, c'est quand même des quêtes principales. Mais Yogi et Rigi, vous savez, c'est les drogués. Je vous assure que ça va être totalement délirant ce qui nous attend. Mais justement, c'est un enfer quoi. Ça va être compliqué les missions. Je vous assure, ça va être absolument terrible. Et puis, on a le sentier d'or évidemment qui nous attend encore une fois pour continuer. Mais le sentier d'or, on sait ce qu'ils nous, qu'ils nous veulent à chaque fois. C'est est-ce que tu choisis Amita ou est-ce que tu choisis Sabal. Voilà, et donc c'est absolument terrible. On est en train d'explorer une grotte là directement. C'était pas prévu au programme, ça me plaît. Alors normalement il n'y a pas de crocodile. Oh, c'est chouette ici. C'est plutôt chouette. On cueille des champignons. Eh, ça va plaire à Yogi et Rigi ça. Non, c'est des feuilles blanches, d'accord. Hop, je récupère, voilà. On a récupéré le coffre. Il n'y a absolument rien à voir, hein. Vraiment. Il n'y a absolument rien à voir. Ah, et attendez. J'ai fait une mission ici en off, je vous l'avais pas dit. Enfin si du coup, mais ça fait partie des missions de libération d'otages. Je suis déjà passé par là apparemment. Voilà, sachez-le. Voilà, c'était une petite anecdote, c'est pas très intéressant. Mais comme ça, vous le savez. Voilà, je récupère des petites fleurs en passant, tant qu'on y est. Est-ce que je peux crafter peut-être des trucs là? Confectionner sur un de survie. Ouais, voilà, très bien. Ah, je voulais pas m'en planter une, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Bah. Mais pourquoi c'est la guerre de partout là? Bon bref, hey, c'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Allez, direction 80 mètres, on arrive chez Willis. Qu'est-ce qu'il nous veut ce Willis? Je ne sais pas. Je me suis enfoncé une seringue. C'est une seringue de quoi du coup? Réduit les dégâts physiques au corps à corps. D'accord. Rien à péter moi. Et on a encore un événement de karma. Non mes frères. Bah c'est bien, tant mieux, parce que ça m'augmente mon karma. Voilà. Voilà. Ah bah j'ai pu sauver personne. Si si, j'ai sauvé des gens. Voilà, événement karma. Non, parce que c'est important, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de karma. En tout cas les amis, c'est un début d'épisode qui commence vraiment sur les chapeaux de roue, comme on dit, hein. Sur les chapeaux de roue mec. Donc pour le coup, n'oubliez pas le like évidemment pour m'encourager. Puis si vous êtes un petit salopard, vous mettez un petit dislike. Moi ça me fait toujours un petit peu plaisir. Puisque de toute façon on les voit pas, donc y'a rien à péter. Ouais. Fils de Mohan Kane, chef des CD du Sentier d'Or, élevé par sa mère au steak, de retour aux pirates pour ses dernières volontés. Vous êtes qui? Tu sauras jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? T'es ici pour être un gentil et buter des méchants, pas pour poser des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras retourner jouer les Che Guevara des bacs à sable. Et puis, j'ai des infos pour toi. Allô? Vous êtes toujours là? Hey, toi, viens voir. Ah, super. Attends, je suis en train de discuter à la radio, ça se voit pas que je suis au téléphone? C'est pas vrai. Attends, dis-moi. Merci. C'est gentil. Eh, c'est fou. Pas comment ça aurait fini. Bah, tu serais mort. Eh, c'est fou ça quand même, les gens. T'es au téléphone et on te parle pendant que t'es au téléphone, ça n'a pas de sens. Ah, vraiment, la société d'aujourd'hui, c'est quand même incroyable, hein. Bref, infiltrer l'aéroport. Willis. Alors, Willis, c'est un aérobot. Bonsoir, c'est un pilote d'avion visiblement. Attendez, on peut pas faire un TP. Ah bah voilà l'aéroport, magnifique. L'aéroport international du Kirat, on y va. Ok, superbe. Et sur le chemin en plus il y a des moulins à prière. Parfait, allons-y gaiement. Et on va sécuriser l'aéroport pour qu'il puisse se poser visiblement. Très bien, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup ce qui va se passer. De toute façon c'est simple, hein. Far Cry 4 c'est ça. C'est de plus en plus épique au fur et à mesure de l'aventure. Je vais mourir, bonsoir. Voilà, parce que là
J'ai envie de descendre. J'adore. Non, c'est de plus en plus épique, il faut le savoir. J'ai des bouts de souvenirs en fait, hein. Il y a des trucs dont je me souviens pas. Vraiment, je vous mens pas, hein. Dans les derniers épisodes, il y a des trucs que je me souvenais absolument pas. Mais j'ai des bouts de souvenirs de choses qu'on n'a pas encore vues et qui vont arriver par la suite. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Bon, du coup, c'était quoi ça? Point d'interrogation. Vas-y, débloque-moi l'endroit là. Non, si, voilà, fleur de Kira. Superbe. Superbe. Oh merde. Oh non, il s'est pas mis bien lui. Il s'est pas mis bien. Waouh, c'est magnifique, une cascade d'eau là. Par contre, je vais traverser avec le bateau, hein. Je vais traverser avec le bateau parce qu'il y a des prédateurs dans l'eau. Voilà. Je ne parle pas des prédateurs autres, hein. Faut dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, on découvre plein de choses sur plein de gens. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, ça va les copains? Parce que depuis tout à l'heure vous criez, donc bon. Je vous ai déjà dit qu'il faut pas crier quand il n'y a pas de danger. Je peux accrocher mon grappin là-haut visiblement. Là je suis déjà en train de voir mon objectif, c'est parfait. Attendez, j'ai vu un truc ici là. Des affiches de propagande peut-être. Journal de Moine Gale peut-être. Oh putain. Oh les salopards, alors attends-toi. Quoi? Il vient d'éviter mon couteau? Tu déconnes. Incroyable ce qui vient de se passer. Ouais. Voilà. Fallait pas s'engager comme on dit, hein. Ça dépend où c'est que tu t'engages, mais enfin bon. Voilà. Attends, je vais récupérer mon troisième couteau. Il est où là? C'est... Non, il est où le troisième couteau là? J'ai perdu mon couteau. Peut-être là. C'est bon, j'ai récupéré mon troisième couteau. Je suis heureux. Voilà, la fiche de propagande. Un APT. La petite caisse. Voilà. J'ai des points de compétences également que je vais pouvoir m'octroyer, bien sûr. Attends, mais je suis ce chemin tout simplement. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Voilà, oui, donc. Voilà, bonsoir. Je sais plus ce que je disais. Oui, des points de compétences. Mais pour le moment, c'est bien beau de les avoir, mais je peux pas parce que c'est verrouillé encore. Donc c'est un petit peu débile. Voilà, on va pouvoir monter ici, c'est parfait. Le grappin. Moi, je vous montre comment on fait. Et là, hop, on passe sur l'autre. Là normalement t'as le temps de tomber, mais bon, comme c'est un jeu super bien fait, bah t'es tranquille, hein. Ah, parce que sinon ce serait compliqué quand même, hein. J'ai vu récemment de nouveau des gameplays de Far Cry 6. J'avais oublié, mais putain, et Far Cry 6 il est tellement critiqué. Alors que c'est une pépite quand même, hein, Far Cry 6. Là je vous parle bien de Far Cry 6, hein, sans me tromper, hein. C'était quand même une pépite ce nouveau Far Cry, vraiment, hein. Et je pense que c'est la dernière pépite d'Ubisoft parce que, enfin pour les Far Cry, parce que comme dit Far Cry 7, j'ai très très peur de ce qu'ils vont nous faire. J'ai très très peur parce que ça n'aura rien à voir. Donc je suis aussi curieux, hein, mais en même temps j'ai peur. Parce qu'à tous les Far Cry avaient la même ligne éditoriale, on va dire, si je puis dire. Allez, on rentre dans l'aéroport, on va s'infiltrer les copains. Ça va être dingue. Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain qui crête à San Francisco. Pas d'alarme. Tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand t'auras fini, appelle. Alors attendez, parce que là, il y a quand même des paramètres assez compliqués. Déjà, j'ai 3 snipers en vue. Je n'ai pas de boîtier d'alarme à désactiver. Dans tous les cas, il faut absolument pas que je me fasse cramer. Donc là, je dois abattre les snipers. Pour le moment, j'en compte que 3. Il y en a peut-être plus. Ce que je comprends pas, c'est que le mec, ce fameux Willis, hein, qu'on ne connaît pas encore, apparemment, il veut voir le commandant. Ah, un quatrième, là. Il veut voir le commandant. Mais, ça veut... Mais alors, pourquoi il a besoin d'éliminer tous les ennemis puisqu'il est copain avec le commandant? Je comprends pas, là. On comprendra, hein, mais là je comprends pas. Alors on va commencer dans l'ordre. Et de 1. Et de 2. Ok, il y a 6 snipers. On est dans la merde. Parce que moi j'en ai encore 2, donc 4 au total. Aïe aïe aïe. Alors tant que les snipers voient pas les snipers abattus, c'est l'essentiel. Attendez. On va faire ça comme ça. Voilà, bon, toi tranquille. Ça devrait aller. Magnifique. Ah, j'ai vu un laser rouge. Donc un sniper peut-être. Alors là, je suis dans une petite sauce.
Si, il y a un boîtier d'alarme là-bas et il y a un mec aussi. Ah, il y a des gens, purée. Il n'y a pas que des snipers. Bon, bah on va infiltrer, hein, pas le choix. On va recharger. En fait, moi ce qui me fait peur, c'est mon angoisse, c'est de shooter à côté. Mais aussi de faire tomber un sniper. Si je fais tomber son cadavre, par exemple, bah on est mort, quoi. Ok. On peut prendre le temps qu'on veut. Ah. Ah non, c'est un drapeau, ça. J'ai une idée. Hop. Voilà. T'inquiète, hein. J'ai eu une petite faiblesse. Voilà, on verra un peu plus clair. Oula, évite de venir vers moi, toi. En fait, j'ai peur qu'il y ait un sniper sur le bâtiment aussi, un autre. Parce que si... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'agite? Hein? Ah ouais, ouais, ouais. Oh non. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire du tout. Je sais pas pourquoi il a pris la tyrolienne. Je préfère vous dire, ça me plaît pas. Je préfère vous dire, ça me plaît pas. Alors, j'ai un mec en joue. Enfin, pas en joue, mais tu m'as compris. Ok. Je vais pas trop parler là, vous m'excuserez. Je ne me sens pas du tout. Ah, il est là, le dernier sniper. Enfin, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier. Donc j'ai bien fait de l'avoir éliminé ici, le mec. Ce qui m'aurait mis un peu dans un mauvais bail. Vous savez que j'ai une... Eh, mais je peux utiliser ma seringue, hein. Je peux utiliser ma seringue de chasse pour mettre les ennemis en surbrillance, en vrai de vrai. Le dernier sniper. Vous savez quoi? Ça mange pas de pain. Où est le dernier sniper? Ah, il est là-bas au fond. Excellent. Excellent, d'accord. Et tu vois, il y a plus de monde que ce que je croyais. Donc là, j'ai eu chaud au kiki. Alors attends, toi. Bouge pas. Hein. Ok. Et la seringue, elle est incroyable. Ah ouais, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Hop. Ok. Je sais pas combien il y a d'alarmes au total aussi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Bon, on va s'occuper du sniper du haut. Si c'est possible, hein, bien sûr. Et vraiment la seringue qu'on vient de se mettre, meilleur bail. Meilleur bail. Moi je dirais que c'est la dernière alarme qui reste, mais ça m'étonnerait. Et il y a trois mondes autour d'eux, ce serait dommage. Et je pense même que le jaune, c'est le commandant qui veut parler Willis, donc faut pas que je le tue. Est-ce que vous croyez que je peux tenter un truc? Magnifique. J'ai eu chaud au kiki encore une fois. Ok, là il y a moyen de... Ça va bien se passer. Vous êtes prêts? Voilà. C'est bon. Vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale! Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas! Rendez-vous à la tour de contrôle. Ok. Bah, la tour de contrôle est dégagée. N'alertez pas le commandant, bah oui. Bah, il m'a pas vu le commandant. T'énerve pas, cocotte? Ah, c'est gênant. Ah, ils voient bien loin, hein. Ils voient mieux que les snipers en plus, hein. Ok. T'inquiète, ça va le faire. Voilà. Allez. Comment je monte? Par là. Ça me paraît évident. Une porte? Non. Ok, je panique. Oh non, j'aurais dû prendre la tyrolienne peut-être. J'aurais dû prendre la tyrolienne. Mais c'est pas grave, il y a des escaliers. Mais j'aurais pu prendre la tyrolienne. Allez, la tour de contrôle, on y arrive les amis. Oh là là. Et je suis en sueur un peu en vrai, hein. Je suis un peu en tension. Il y a des munes? Pas du tout, ça va partir en cacahuète. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, ouvre le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien. Oh my
god. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Okay. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. Ok, Willis. Ah, c'est un échange de mallettes. On sait très bien ce qui va se passer, bien sûr. Allez, je suis prêt hein, pour le signal, si jamais. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes. Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non? Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier. Tu connais un peu Ronald Reagan? C'était un président franchement cool, et les finances américaines lui doivent beaucoup. Yuma veut que je vous ramène. Elle a pas précisé si c'était mort ou vivant. J'ai dit Ronald Reagan. Oh putain. Je me fais canarder. Fais gaffe là-haut. Des méchants arrivent par le nord. Bouge-toi. Bon allez, j'ai compris, ça part en couille, j'y vais, je m'en fous. Ah oui. Ah, c'est gênant. J'arrive. Oh Willis, tu vas prendre cher là. Je suis là Willis, je suis avec toi Willis, s'il te plaît, protège-toi. Hey, je suis pas incroyable. Donne-moi un coup de contact au-dessus. Descends-les. Je suis là, t'inquiète. Voilà, on est là Willis, on est ensemble. À la Wang Hoon, qu'est-ce que tu racontes toi? Je suis là. Mais je suis là! Willis, il s'énerve, faut pas grand chose là. Merde, c'est gênant ça. Attends, d'où ils activent l'alarme là? Il y a tout un groupe de mecs qui descendent de la montagne. Ah ouais? Mais non. Ah ouais? Bah venez voir pour voir. Voilà, t'iras pas plus loin mec. T'iras pas plus loin. Toi c'est pareil, viens voir. Voilà. Ils ont un hélico? Ah mais moi j'ai un RPG moi. T'inquiète pas mec. Voilà mec. Hop, il n'y a plus de mec au mortier déjà. Non mais c'est une blague. Non. Non c'est une blague. C'est une blague, ok. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis juste dans la merde parce que j'ai plus de munitions. Mais tranquille. Déjà le mec, Willis, il est en sécurité. Donc ça c'est bon, je récupère ça, on sait jamais. Voilà. Oh, il y a des munitions là-haut je crois. Attendez, je suis un génie. Je suis un génie. La mémoire de dingue en fait. Regarde. Et voilà. Et en plus ils savent même pas où je suis. Ah si. Voilà. Bon je me prends pas mal de balles hein. Mais vous inquiétez pas. Je suis assez résistant. Hop, je sors le sniper. Eh, en vrai de vrai. Allô? Vous êtes où les gars? Je suis aveugle. Ok, je suis aveugle. Je sais pas où sont les mecs. Ah! Dans la voiture. Cachotier va. Ah! Fallait me le dire! Bon ben voilà! Plutôt pas mal! À en croire l'absence de fusillade et d'explosion, j'ai bien l'impression que t'es tranquille. Viens me voir à l'entrepôt, qu'on puisse enfin discuter face à face. Ben oui, j'aimerais bien savoir qui t'es, Willis, parce que là, à mon avis, c'est encore une histoire de drogue, hein. Pour changer, bien sûr. Rejoignez Willis. Eh les amis, vous trouvez que je m'en suis bien sorti ou pas? En vrai de vrai, en ça. Ça
Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui ? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimballais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Gueule de touriste ? Je bosse pour Langley, agent Willis Huntley. Langley ? Pour la CIA ? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier ? Le dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde ! Hé ! Hey, t'auras besoin de ça. Allez, ça va partir en course poursuite. Là j'ai des souvenirs, là j'ai des souvenirs. Voilà, allez. Ça c'est fait. Voilà, merci beaucoup hein. Merci beaucoup Far Cry 4. Bah oui. Bah oui, mais en fait c'est pas grave, eh. Et ici c'est d'authentique, donc je vous montre quand même l'échec hein. Voilà, bah oui, mais s'il y avait une voiture devant, moi je pouvais pas faire grand chose. Allez, reviens l'avion. Reviens l'avion. Je veux tout savoir évidemment sur l'assassinat du daron hein, quand même. On y va. Et là je m'en souviens, c'est épique. Typiquement une course poursuite à la GTA 5. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va voler. Wouhou. Wingsuit. Et là on est plutôt pas mal. Là on va le suivre en wingsuit. Et je pense même que si tout se passe bien. Nice, salut! Incroyable! Eh, franchement, est-ce que c'est pas épique? J'aurais bien aimé voir l'avion se crasher. Malheureusement, ce sera impossible. Ça, c'est un bug là au-dessus, hein, qu'on peut voir. Ça, c'est fait! Eh, j'ai kiffé. Vous avez kiffé ou pas? Edge, j'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible, votre merde. Ah bah ça valait le coup alors. C'est censuré. Tu veux en savoir plus? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous étiez? Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, et parle pas de notre arrangement au Sentier d'Or. Ils ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. On veut pas. Ouais, d'accord. Putain de merde, c'est juste un méga trou dans le sol. Ouais, bon d'accord, excellent, j'adore. Eh, avec lui je pense qu'on va se régaler. Attends, toi tu tombes super bien. Oh, attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Oh merde, dommage. Dommage. Attends. Eh, je l'ai eu là, non? Ah ouais, je l'ai eu, c'est bon, camion détruit, incroyable. Oui, tu tombes super bien toi, du coup je vais te vendre ce que j'ai parce que j'ai beaucoup de choses. Je vais reprendre des munitions, je vais reprendre des seringues. Non, c'est bon, j'y vais par balles. Vous avez vu, j'ai acheté tous les jetons de mercenaires, même si je ne sais toujours pas à quoi ça sert réellement. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, sacré Willis, vous l'aurez compris. Bon, on a tous le même intérêt commun, le Sentier d'Or. Tout comme Willis, eh ben on veut faire tomber évidemment la dictature de Pagan Min. Sauf que Willis is American man, you know, from the CIA. La CIA, bien sûr, les Américains, tout ça, mais ça revient à peu près au même. Wesh, salope. Pardon, je pensais pas que t'allais être violent comme ça. Voilà, c'est une vache ou c'est un tigre ce truc là? Bref, les amis, incroyable. Alors, on va pas s'en arrêter là tout de suite pour cet épisode évidemment, puisque sinon, bah, ce serait triste, l'épisode est quand même plus court. Jusqu'ici, on aura bien rigolé. Allô. Alors... je vais pas chercher la merde plus longtemps. On a donc Willis.
on va pouvoir en apprendre un petit peu plus avec Willis. Willis qui nous attend. Willis qui nous attend. Willis qui nous attend. Je ne sais guère où, là-bas. D'accord. Ah, j'avais pas vu. Bah, de nouveau à l'aéroport. Qui nous appartient maintenant. Ni plus ni moins. Sauf que moi, vous voyez, j'ai un avant-poste ici. École de Pranijagjat. Et donc, moi, je propose qu'on y aille. Comme ça, au moins, on débloquera déjà sur le chemin pas mal de petites choses. Même si du coup dans tous les cas on passera par là j'imagine avec les prochaines quêtes. Mais c'est toujours sympa d'avoir des nouveaux coins safe et des nouveaux TP rapides. Donc voilà, je me dis autant le faire. Ce qui est sympa aussi. Quand Ishwari est parti, j'ai vécu des jours sombres. Oh, j'étais un jeune homme cruel et en colère. C'est surtout à cause de cette époque que j'ai cette réputation aujourd'hui. Oui, oui, j'ai assassiné des montagnes d'innocents. Oui, j'ai interdit la religion. Oui, j'ai changé la monnaie en vigueur pour que plus personne n'ait rien. Et oui, pendant quelque temps, je me suis peut-être baigné dans du sang de yak en sniffant des rails de coke. Mais c'est fini, tout ça. Regarde-moi. J'aurai bientôt remis le pays sur pied. Je suis en pleine forme, AJ. En pleine forme. Ouais. C'est un chic type, hein, Pagan, hein. Bah oui, hein. C'est bien connu. Bon, je crois qu'il y a une grotte aussi en dessous. Bon, on s'en fiche un peu. Mais pour terminer ma phrase, je disais que c'est sympa après une mission principale de faire un petit truc secondaire, mais qui en même temps va aider à la continuité du scénario. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est ce que nous allons faire à 100 mètres. Le nouvel avant-poste qui se situe déjà là en fait. Hein, on y est. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il y a deux alarmes. Deux alarmes. Une ici. Et une au fond. Facile. C'est une école, hein. C'est une école. Nous avons, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant avec mes seringues, en vrai de vrai, je peux tricher quoi en fait. Je peux carrément tricher, hein. Eh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même en vrai de vrai. Seringue de survie, hop. Regardez, picouze. Et il n'y a pas une personne de plus. Attends, l'avant-poste est hyper facile, hein. Ça me paraît bizarre quand même. Après j'ai pas accès à l'alarme là-bas. C'est ça aussi la difficulté. C'est que j'ai pas accès à l'alarme. Là j'ai accès à l'alarme. Mais de l'autre côté je n'ai pas accès à l'alarme. Et moi j'aimerais voir les deux en même temps. Pour limiter la casse. Patricia casse. Bien sûr. Ah là j'ai accès à l'alarme. My bad. Une alarme. Une alarme de fête. Vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. La deuxième alarme. Voilà. Donc là il commence à paniquer. Et moi je vais les niquer. Voilà. Mort. Mort. Dommage. Mort. Ah voilà. Il y a du monde en plus. Oh, oh fils d'up. Oh purée. Ok, il y a plus de monde que prévu. Ah ouais ouais ouais. Eh, je me disais que ça me paraissait trop simple. Je me disais que ça me paraissait trop simple. Il faut que j'élimine le mortier. Il faut que j'élimine le mortier. À tout prix. A tout prix, le mortier, il est là. Voilà. Il n'y a plus de mortier. Hop, ça dégage. Aïe. Aïe. Je suis là. Voilà. Allez. Je me suis un peu chié dessus quand même, hein. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus simple. Je m'attendais pas à ça, vous voyez. Alors, c'est ça ce qui est assez traître et assez fourbe. Vous savez, ceux avec les cocktails Molotov. Quand on les prend avec la caméra, ils disparaissent en fait. Tu vois, genre là il y a le petit indicateur. Bon, là c'est un ami, mais. Et ben au bout d'un moment, très rapidement ça s'enlève. Et donc la seringue de survie. Non. La seringue, voilà. Afficher les ennemis en surbrillance. Et ben ça n'affiche pas les ennemis furtifs là avec leur cocktail de Molotov. Voilà, je pense que vous l'aviez remarqué. Et c'est absolument compliqué du coup. Donc forcément, il y avait au moins 3 ennemis supplémentaires que je n'avais pas calculé dans mon plan initial, bien sûr. Et forcément, bah, c'est pas facile.
c'est pas facile facile. Alors voilà, bah écoutez les amis, moi je me tâte en fait parce qu'on a le clocher qui est juste à côté, on y va direct. Voilà, on va prolonger l'épisode, je l'espère pour votre plus grand plaisir. En tout cas, sachez que c'est pour mon plaisir à moi également et surtout. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Si déjà on est à côté, autant afficher la map. Vous voyez, débloquer la carte et donc récupérer directement ce clocher qui est juste là en plus, hein, vraiment. Vous voyez, ça paraît loin. Et en fait non, c'est à côté. Je répète ce que je dis depuis le début de l'aventure, mais la map est petite, mais donne des impressions de grandeur, ce qui est juste absolument génial. Voilà. Far Cry 6 par exemple, la map est gigantesque, mais elle est gigantesquement vide. Elle est magnifique, mais elle est vide. Là, c'est différent. T'as l'impression que bah, après tu cours moins vite aussi. En fait c'est ça, regardez. En fait on se la traîne. En fait voilà, on se la traîne. Et du coup ça rajoute ces effets de grandeur alors qu'en fait c'est vraiment petit. Et c'est vraiment que du plaisir. Et donc dans le prochain épisode je pense qu'on ira retourner voir Willis hein, puisqu'on vient à peine de le rencontrer, ça peut être sympa d'en apprendre un peu plus, de savoir le charabia qu'on a découvert. Vous savez, les papiers qu'on vient de récupérer de l'avion. Notre père, comment ça se fait qu'il s'est fait assassiner? Moi je pense qu'il s'est fait assassiner par la CIA ou quelque chose comme ça, un accord, un truc comme ça. Je pourrais être très honnête avec vous, je m'en souviens absolument plus du tout de cette partie du scénario puisque j'y ai déjà joué, donc c'est assez rigolo. Salut toi. Du coup voilà, j'ai hâte d'aller voir Willis dans le prochain épisode. Mais pour le moment, ah attendez, comment je fais pour récupérer le... Je vais récupérer le coffre moi là-bas. Comment je fais? Parfait. Regardez bien, voilà. Manuel de jeu. Manuel de jeu Ubisoft j'imagine. Avec un petit code promo Eneba, c'est ça? Alors, bon, y'a que des gentils ici, c'est parfait. Voilà. Un plaisir comme d'habitude. Chaque tour radio est unique, je le rappelle. Après, vous avez vu, y'en a pas non plus des 100 et des 1000, hein. Y'en a un total de je sais plus combien. On va le voir juste après quand on va débloquer celle-ci. Bien que je crois qu'on est à la moitié, du coup, comme on avait dit. Me semble-t-il. Oui, oui, attention, il faut faire attention. Tu fais bien de le dire. Je crois qu'il faut que je passe là. Ouais. Que je grimpe ici bien sûr. Les escaliers faciles, hop ça dégage. Et puis l'échelle, bah oui. Pourquoi se casser la tête finalement? Ding 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 dong. Oh. Non 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 non, je ne veux pas prendre l'air. Je sais que c'est mon devoir envers le roi mine de Beyer et de rester à mon poste, mais j'étais seul de surveillance lorsqu'un camion de rebelles est arrivé et a balancé une cage de serpent dans la tour. J'abandonnerai mon poste en haut d'une tour pleine de serpents tous les jours s'il le fallait. Si vous lisez ça, c'est que vous êtes plus courageux et plus fou que moi. Que le roi ait pitié de ma lâcheté. Ah, enfin un soldat méchant qui a abandonné. Méchant. Nous on est des gentils. Comme l'a bien vulgarisé Willis, notre nouvel ami. Voilà, 9ème clocher sur 17. Donc bel et bien plus de la moitié. Let's fucking go. Oh, Hüttengat. On dirait un nom allemand, de la façon que j'ai dit, mais ça s'écrit pas pareil. Entrepôt de Sunny and Prim. Ça s'entraîne à se bagarrer, c'est bien, c'est parfait. Prêt pour la scène finale. Et les ruines de Zoutet. Les ruines de Zoutet. Gratuit au comptoir, on a un petit fusil à pompe de canon. Nouvelles activités incroyables. Wouhou! Garde ton énergie au lieu de te plaindre. Eh, vous embrouillez pas quand même hein. Faut pas s'embrouiller hein. Ici c'est que le plaisir. Bref, eh, chaque fin d'épisode il fait nuit, c'est incroyable. J'espère que vous l'avez kiffé celui-ci hein. Vraiment, si c'est le cas, le like, on n'oublie pas le commentaire qui fait toujours plaisir et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous? Je ne sais pas. Peut-être d'aller voir Willis. Ce qu'on va faire donc eh bien dans le prochain épisode. Les amis, on débloque à la carte et on se retrouve demain à 16h pour la suite de l'aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.